Elkami Ramader. Ce chemin est toujours existant et prend naissance au castel de Pratspalagé pour se hisser à travers les pentes escarpées du massif du Kukurukui. Il offre, jusqu'au lieu-dit Omet, un parcours varié sous le regard omniprésent du pic Monéyet, dont la paroi nord, la Yosa, dans sa totale nudité, se dresse comme une pyramide. Omet est la première prairie d'altitude. Par Omet, il est possible d'atteindre les Coyettes et le col de la Coyada. Ce dernier permet de franchir la chaîne des grands sommets entre le pic Galinas et le pic Redoun. Au-delà, la vallée de la Carranza.
food and horse get more new. Very nice. Oh, he's not sure. Not sure. This is a good one. Each of our century. Then we'll have a person. You didn't take a picture of me. Thank you.
De loin, je l'ai vu, avec son sac, il faisait vieux un peu de loin. Je me suis dit, bon, tiens, il est tracassé celui-là. Il arrive d'où celui-là? Tu vois que t'as pas tout vu à la carrosserie. Ah ouais, c'est vrai, ça c'est vrai. Ça, tu l'avais pas vu. Ça, je l'avais pas vu. T'as vu? Oh putain, folklorique, hein. Como uma cara que tem expressões, que tem que tem caráter, que tem um humor um panorâmico, não é? Mas não olhas para isto. Estás nisto. Estás ou não estás? O Baiú. Les montagnards qui arpentent nos vallées connaissent bien la silhouette trapue des coves, souvent appelées horis, ces cabanes de bergers en pierre sèche et voûtées en coupole qui jalonnent les camines ramadaires. Chacun écoute le son de ces pierres en se demandant s'il va voir, rien qu'une fois, le vieux loup de la Carança. Change toute seule. J'ai l'impression qu'elle change, que je sois là ou pas. Elle fait sa vie. Elle continue. Mais elle sait que t'es là. Et quand je viens là. En fait, je me retrouve là-bas. Je sais qu'elle est là. Je te retrouve. Ouais. On va voir ce qui se passe. Je me retrouve. C'est étonnant, c'est bizarre, mais. Si, elle sait que je suis là parce qu'elle m'appelle en fait. Quand je suis. Bon, c'est sûr qu'elle sait que je suis là. Surtout quand je suis tout seul. Sinon, qui c'est qui m'appellerait avec elle? Peut-être moi, je fais partie de la montagne. Les plein d'ail de l'oreille, refuge de l'oreille, pique de l'oreille. Il est pas content, lui. Eh ben,
C'est souvent des lieux où les troupeaux, naturellement, ils ont un coin de couchade. Ouais. Ah oui. Où ils se rassemblent naturellement, où on les rassemble. C'est beau de dire, mais des fois, c'est elles y viennent toutes seules. Et tu vois que ça fait des siècles que les bêtes viennent à cet endroit. Dicen que el perro viene del lobo, que lo minucioso se pierde en el caos. Dicen que vieron al lobo un atardecer en una laguna, después de cantar y descansar. Dicen que apareció y nos miró de lejos, sin inmutarse. Siguió su camino recorriendo toda nuestra retina. Nuestro paisaje se volvió el de él. Apareció entonces otro paisaje que la laguna escuchaba pacientemente. Ese paisaje de encuentro interespecie que se entromete a veces en todo ser. Dicen que justo los momentos más impredecibles son los menos atrapables. Sea por la batería, la retina o el encuentro, entrelazar lo invisible mostrando grietas que hablan de cómo estar con el lobo sin demandar su presencia. Pues ya se fue. Ça. Tu sais, un mec qui fait des meubles. Ouais. Ouais. Eh ben, tu faisais des meubles. Ouais. Je faisais des meubles. De bureau. Bibliothèque, bureau. Caisse à savon. Caisse à savon. Ouais, enfin, tu fais un truc carré. Et pourquoi t'es passé de ça à berger? Je préfère la liberté. La liberté de quoi? Ah, bonne question. Parce que moi, je suis là et eux. Ils sont là-bas. J'essaie de convertir des tas de gens, mais ils n'y arrivent pas. Vas-y. Tellement, pour moi, c'est tellement évident. Elles vont dans la bonne direction, si je fais rien. Donc tu fais rien jamais, quoi. Et comment ça se fait qu'elles me comprennent? Mais elles te comprennent pas. Mais si, puisqu'elles vont dans la bonne direction à chaque fois. Je demande à Laurent, il va confirmer. Il va confirmer, Laurent, il n'est pas dans mon rêve, il n'est pas dans mon... Il comprend pareil. C'est... Ouais, les bêtes, elles te comprennent. On est un peu chez père, quoi. Non, parce que quand je le fais, elles me suivent. Si tu veux, je te donne la preuve par neuf, je les appelle, elles viennent. Vas-y, maintenant. Mais j'ai pas envie, pourquoi tu veux me déranger? Mais prouve-moi, tu sais. Vas-y. Mais j'ai rien à prouver. Bah si. Ben non. Puisque tu essayes de convertir des gens à des trucs, t'as approuvé. Ben, et ce sera quand je serai au travail. J'y passais tous les jours, je me tournais autour, je voyais l'ombre, je levais la tête et... T'attendras. Il voyait le Thanos, c'est bon pour ça. C'est pas pour l'anco, là. T'attendras, mec. Tous les jours. Il y avait le couple.
les deux. C'était pareil, c'était les seuls copains qu'il y avait. Oh, vous avez la Wi-Fi? Non. Oui. Tu files en face, tu montes le col d'Elpa. Mais excuse-moi. Oui. C'est une blague. Je vais perdre mes flammes, moi. Ah, c'est flammes. C'est parce que c'est? Non. C'est parce que c'est l'envie. Je suis un peu vieux, moi. Le caillou, là-bas. Ah, mon petit. Et à Lori, il y a la Wi-Fi. C'est où, à Lori? Les pierres. Là. Là, c'est ça, Lori. Non. Si, si. Oui, c'est une Lori, ça. Oui, mais il n'y a pas... Si, on a installé Il y a le grand écran. Nous à la flamme? He's dead. He's dead already? Je monte pas là-haut, moi. Non. Mais pourquoi que tu montes ici? Réseau. Voyons si ça marche. Si ça marche pas. Tu n'es pas morte? Non. Pas morte. C'est quand? Yes. Tête, tu regardes quelque chose, tu regardes ailleurs, et quand tu re-regardes cette chose, elle a changé, elle a bougé,
Même fois la même pluie, la même couleur. La même texture. Peut-être que c'est moi qui la vois différemment. Écrire sur le rebord du ciel. Les pieds en découverte oubliaient le lac. Encore l'effort, habiter le silence. À petite gorgée, ma langue se délecte d'une authentique fraîcheur, un baiser. Caprice d'un nouveau-né, elle cascade, s'éclabousse, torrent de liberté. Au ras du pas, une pose sylvestre, narine pleine d'odeur de résine. Tumulte d'eau, elle s'encanaille, gorge profonde, au nez des passerelles. Un long moment dans les bras de la tête, goûter enfin une note salée. Retour à Bassibès, enveloppé de bleu, sous le regard du géant, les yeux se remplissent d'étoiles. Gérard.
se réveiller. Un dragon. Ouais, c'est un genre de dragon avec une tête de retour. Ah oui, il a une tête de vautour. Donc... Ouais. T'as l'impression d'être un animal, finalement. Les montagnards qui arpentent nos vallées connaissent bien la silhouette trapue des corps, souvent appelés ouris. Ces cabanes de bergers en pierre sèche et voûtées en coupole qui jalonnent les canines ramadaines. Les montagnards qui arpentent nos vallées connaissent bien la silhouette trapue des corps. Saldec, Alex, Berger, Christian, Sèche, Tartin, Paul, Camille Jalonne, les Camilleras, Eric, les Fèves, les Vaches, Chacun, Patrère, Nous se demandons, la Rivière, s'il va voir, rien que Nyon, le vieux de Rousseau, j'ai perdu mon nom, le père de Eric, l'autre Alex, Sylvie, l'aigle, la marmotte, les brebis, et sur ces pierres en se demandant s'ils vont voir, rien qu'une fois, le vieux loup de la Carança. Si, elle sait que je suis là parce qu'elle m'appelle en fait. Chacun croit qu'il est tout seul au paradis. Peut-être moi je fais partie de la montagne. Et je m'appelle tout seul. Hey, Sûr que c'est que je suis là.